Depuis lundi 5 septembre 2022, M6 propose une nouvelle saison de l'émission Objectif Top Chef. Dans cette dernière, de nouveaux cuisiniers amateurs tenteront de décrocher leur ticket tant convoité pour la désormais très célèbre émission Top Chef. Il faut dire que cela peut ouvrir de véritables portes. C'est le cas notamment de Pascal, candidat de la saison dernière. Il avait remporté haut la main Objectif Top Chef et avait ensuite brillé dans l'aventure mère. En effet, il avait été éliminé en quart de finale. Il avait rendu un sublime hommage à Philippe Etchebest qui avait ému les internautes. Le chef Philippe Etchebest a été mon chef. Ce sera le chef de toute ma vie. Il m'a aidé à évoluer. On arrive d'Objectif Top Chef ensemble. On est arrivé jusqu'au quart. Chef, je vous remercie. Et pour cette nouvelle saison, la chaîne a décidé de mettre les petits plats dans les grands en faisant de nombreux changements. Cette année, plus d'Académie Top Chef pour commencer, et Philippe Etchebest ne tient plus la barre seul. Il est également accompagné de Pierre Chaumet. Le chef fait également appel à de nombreux invités pour qu'ils puissent départager les plats des candidats. Parmi eux, on retrouve également des danseuses du Moulin Rouge, d'anciens candidats comme Dataline People égale à 4 948 675, C392e 4FCD à 6 absent 50 F7e 780269 Arnaud Baptiste, Yoni, Corentin ou encore d'autres personnalités comme Dataline People égale à 66 667 à 49 à 6 CAF 46e 7B 8 à 3 6931e 1B 022 à David Douillet et sa femme Vanessa. Les deux amoureux, récemment vus dans Les Traîtres, sont venus sur le plateau d'Objectif Top Chef pour déguster les desserts des jeunes candidats. Mais la venue de l'ancien champion de judo a visiblement inspiré Pierre Chaumet. Il a décidé de lui faire une prise de judo. Malheureusement pour lui, il ne s'attendait pas à ce que le judoka réplique de la sorte sur un parquet pas adapté. Une chute dont il se souviendra toujours et qui l'a visiblement marqué puisque dans les plans précédents, Pierre Chaumet arrive porté par David Douillet et sa femme, et dans un autre, il arrive en boitant auprès de Philippe Etchebest qui souligne « Tu as joué. Tu as perdu », en se moquant légèrement du chef. Mais finalement, plus de peur que de mal pour le chef qui, en commentaire de l'extrait posté sur la page Instagram de l'émission, a fait savoir qu'il n'y avait eu qu'un micro de cassé. Ouf !